Bonjour, vous voudrez un exercice sur les fonctions locatives. Mon exercice est suivant, on considère la fonction f définie sur r plus bar, f de x est égal à ligne de x sur ligne carré de x plus ligne de x plus 1. Si x est strictement positif, f de 0 est égal à 0, et soit 6 à forme représentative dans un repère orthonormé OEG. Bon, la première question est la limite de f de x fois x moins r plus l'infini. Bon, on va commencer par cette première question. On a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite volume de x sur l'un de x égale plus l'un de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, alors x est supérieur, il est supérieur strictement à 1. Donc, on a limite de l'un de x sur, on va factoriser, on va prendre l'un de x au carré. Le carré de x. Quand x tend vers plus l'infini. Qui est égal donc à la limite. Bon, on va simplifier par l'un du x. Qui est égal à la limite de 1 sur l'un du x facteur de 1 plus 1 sur l'un du x plus 1 sur l'un carré du x quand x tend vers plus l'infini est également quand x tend vers plus l'infini du x tend vers plus l'infini 1 sur x 1 sur l'un du x tend vers 0 1 sur l'un carré du x tend vers 0 donc il nous reste bon c'est limite de 1 sur ln de x quand x tend vers plus l'infini, le tout sur 1 plus limite de 1 sur ln de x quand x tend vers plus l'infini, plus 1 sur ln, pardon. Qui est égal donc cette quantité 1 sur ln de x tend vers 0, 1 sur ln de carré de x tend vers 0. Bon, donc on aura 0 sur 1 plus 0 plus 0 qui est égal donc à 0. Donc, limite de f de x fois x tend vers plus l'infini, il est égal à 0. Bon, la seconde question. Montrez que f est continu à droite en 0. Montrant que f continue à droite en 0. Donc il suffit de prouver que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0. Bon, on a limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de ln de x sur ln carré de x plus ln de x plus 1 quand x tend vers 0 plus qui est égal à la limite de ln de x sur ln carré de x 1 plus 1 sur ln de x plus 1 sur ln carré de x quand x tend vers 0 plus, on simplifie par ln de x, donc est égal à la limite de 1 sur ln de x facteur de 1 plus ln de x plus 1 sur ln carré de x quand x tend vers 0 plus est égal. Bon, quand x tend vers 0 plus, alors cette quantité est. Bon, ln de x tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini, c'est 0. 1 sur moins l'infini au carré, c'est 0. Donc, il nous reste 1 sur ln de x qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. D'où, limite
de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0, alors f de continu à droite en 0. Bon, on passe à la troisième question. Pour interprétant, bon, la troisième, étudions la dérivabilité de la fonction f à droite en 0. Bon, pour interprétant, graphique, on a résultat obtenu. Bon, 3 étudiants. La dérivabilité. En
zéro. Bon. Nous interprétons. Interprétation graphique. Bon, c'est admis. Une demi tangente verticale. Bon, 0 plus ou moins l'infini donc. Orienté vers le bas. Voilà. Voilà la quatrième question. Étudier les variations de la fonction f. 4. Étudiant les variations du f. Bon, on pose h de x est égal à x sur x carré plus x plus 1. H est dérivable sur R, car c'est une fonction rationnelle. L'autre domaine de définition dH est égal à R, car x égale plus x plus 1 ne sera jamais nul. Et comme l'n la fonction n'est pas bon. Comme la fonction l'n est dérivable R plus sur le doigt plus, pardon, alors un champ LN sur R étoile plus. Et quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a f' du x est égal à ln du x sur ln carré du x plus ln du x plus 1 prime, donc qui est égal
ln prime du x facteur de ln du carré du x plus ln du x plus 1 moins bon, ln du x facteur de ln du x au carré plus ln du x plus 1 le tout prime sur, pardon, ln carré du x plus ln du x plus 1 le tout au carré. C'est égal à 1 sur x, ln carré du x plus ln du x plus 1, moins ln du x facteur, la dérivée de ln du x carré, c'est de ln prime x ln du x plus ln prime, c'est 1 sur x. Le tout sur ln carré du x plus ln du x plus 1 au carré. Donc, est égal à 1 sur x, bon, ln carré de x plus, pardon, plus ln de x plus 1 moins 2, bon, ln de x facteur, pardon, c'est ln de x, ln de x facteur, de 2 sur x, ln de x plus 1 sur x. Plus ln du x plus 1 au carré. Bon, on va factoriser par 1 sur x. 1 sur x facteur de ln du x, pardon. Ln carré du x plus ln du x plus 1 moins de ln carré du x moins ln du x sur ln du x carré plus ln du x plus 1 au carré. Bon, qui est égal ln carré du x moins 2, ln carré du x moins ln du x moins ln du x au carré. Ln du x moins ln du x c'est 0, donc plus 1 sur ln du x carré plus ln du x plus 1 au carré. Donc est égal en moins 1 sur x, ln du x carré moins 1 sur ln au carré du x plus ln du x plus 1 au carré. Donc, est égal à moins 1 sur x, ln du x moins 1 facteur de ln du x plus 1 sur ln du x carré plus ln du x plus 1 au carré.
soit x appartenant à 1 étoile plus f prime du x, c'est moins 1 sur x facteur du lait du x moins 1, facteur du lait du x plus 1 sur ln du carré du x plus ln du x plus 1 plutôt au carré. Bon, étudiant, le signe de f' du x. X, ln du x moins 1, ln du x moins 1 sur, pardon, plus 1, ln carré du x moins 1, c'est-à-dire le produit, puis f' du x ici 0, volet du x sur celle du point E, l'un du x moins 1 est égal à 0 est équivalent à x est égal à E. L'un du x moins 1 positif implique x est supérieur à E. L'un du x plus 1 est égal à 0 est équivalent à x est égal à 1 moins 1. L'un du x plus 1 est positif est équivalent à x supérieur ou égal à 1 moins 1. Bon, ici, 1 moins 1, E. L'un du x plus 1 est positif, c'est x supérieur à 1 moins 1, c'est négatif. L'un, c'est le produit. Donc, le signe du f. On va multiplier cette quantité par le nombre négatif moins 1 sur x carré qui s'appartient à 0 plus infini. Donc on aurait ici moins plus sur. Donc, f du x. Quand x tend vers 0 plus, la limite est 0. 1 moins 1, donc on aura moins 1 sur moins 1 au carré plus moins 1 plus 1. Donc c'est 0, moins 1 sur 1, donc c'est moins 1.
L'image de 2, c'est 1, 1 au carré plus 1 plus 1, donc c'est 1 tiré. Donc, la limite quand x tend vers plus infini, il est égal à 0. Bon, voilà le tableau de variation pour ce site parti. Question suivante, bon, étudier la variation de la fonction f, le voilà, écrire l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Pour f de x par moins, c'est égal à moins 1 sur x, ln de x au carré, moins 1 sur ln de x au carré plus ln de x plus 1 de tout au carré. Pardon. Ln de x sur ln de x au carré plus ln de x plus 1 au carré. Bon, 5. Écrire écrivant l'équation de la tangente, pardon. T. C'est au point. Au point. X est égal à 1. Vous voyez, au point d'abscisse. Voilà. T. Un point équation y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. F' de 1, pardon, c'est au carré ici, moins 1. F' de 1, donc c'est 1, ln de 1 c'est 0, 0 au carré c'est 0, ici 0, 0 plus 1 c'est 1, 1 au carré c'est 1, donc il nous reste moins 1 sur 1 c'est moins 1, moins 1 multiplié par moins 1 c'est 1. Donc f' de 1 est égal à 1, donc il est égal à x moins 1, f de 1 c'est 0. Pour l'équation y est égal à x moins 1. Traçons la courbe C. Bon, on va tracer la courbe C.
Stroom. Bon. Bon, c'est la nuit de tangente. On vient de vers le bas. 1 sur E. 1 sur 2,81, donc c'est presque 1 sur 3. Moins 1. Son numéro, c'est moins 1. L'équation de la tangente en 1, donc le coefficient du vecteur pour l'image de 1 c'est 0, donc c'est tangente à partir de 1, donc on va E E c'est à peu près 2,81, donc 2,81 c'est à peu près bon 2. Donc ici c'est E, l'image de E, c'est 1 tiers, voilà, c'est la composante de la fonction f. Limite de f du x moins x tend vers plus infini est égale à 0. Donc la droite équation de l'équation est égale à 0 est une asymptote
Ainsi du F, au voisinage de plus infini. Voilà pour la courbe. Maintenant, on passe à la position.
fruits montrant que G-1 est dérivable en 0 et une déterminante G-1 prime de 0. Bon, on a G-1. Bon, à partir de verbale, au moins 1, 1 supérieur au moins est inférieur à 1. G de 1 est égal à ln de 1. Bon, est égal à f de 1, qui est égal à 0. G prime de 1, d'après l'équation de la tangente, il est égal à 1. Donc, G-1 est dérivable en 0, car G-1 de G' de 1 est différent de 0, et G-1' prime de 0 est égal à 1 sur G' de 1, qui est égal donc à 1 sur G' de 1, donc c'est 1 qui est égal à 1. Bon. En effet, G-1 prime de 0, il est égal à G-1 prime de G de 1 et comme G-1 rangé du X est égal à X, alors si G de X est différent de 0, on aura G-1 rangé prime du x est égal à G-1 du g de x multiplié par g prime de 1 g prime du x. La dérivée du x est 1 qui est égal à x prime. Alors G-1 prime du G du G de X est égal à 1 sur G prime du X. Bon, pour x est égal à 1, on aura G-1 du G de 1 en prime du G de 1 est égal à 1 sur G prime de 1. Bon, G de 1 est égal à 0. G-1 est dérivable de 0 et rapport dérivé 1. Voilà pour cet exercice. Merci pour vos attentions. À la prochaine.